Professeur Oulu, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes un des acteurs politiques. Vous avez suivi tout à l'heure la rencontre initiée par France Citoyenne Togo Debout. Quelles sont vos impressions? Ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que, et malgré la multiplicité de candidatures de l'opposition qui s'annonce aujourd'hui, et qui n'est pas en soi un drame, je l'avais dit, je le redis, il est possible de mutualiser nos moyens pour obtenir la transparence de ces élections ou pour que nous puissions que les résultats des unes se traduisent concrètement également par les résultats officiels. Et je crois que c'est de ce point de vue une très bonne chose. Nous avons perdu du temps en abordant par le passé des questions qui ont plus divisé et que de nous permettre de construire, si vous voulez, une stratégie et qui nous permette de gagner les élections. Ce n'est jamais trop tard, maintenant que cette multiplicité de candidatures est une réalité et que, je le répète, ce n'est pas non plus un drame, il est possible de réfléchir ensemble comment nos délégués peuvent coopérer. Comment est-ce que nous pourrons mutualiser nos moyens, quand je parle nous, ces différents candidats, sans animosité, et pour pouvoir obtenir des élections et pas totalement transparentes, dans tous les cas, et moins contestables. Et je crois que de ce point de vue, les discussions vont se poursuivre demain et on aboutira, j'en suis, en tout cas je l'espère, à une solution satisfaisante pour tous les candidats. Êtes-vous toujours candidat pour cette présidentielle? Bien évidemment, j'ai été investi par mon parti et pour des raisons que j'avais déjà eu à donner, je suis toujours candidat et je compte aller jusqu'au bout, non seulement comme candidat, mais finalement gagner ces élections et changer radicalement le pays. Voilà, comment voyez-vous le processus électoral en cours aujourd'hui? Non, nous ne pourrions pas dire que nous sommes satisfaits du processus, étant entendu que nous l'avons relevé à maintes reprises des insuffisances et nous continuons de les relever. Et nous espérons toujours que des discussions sont possibles avec le régime de sorte à pouvoir corriger ce qui peut l'être et le corriger de façon efficace sans prendre trop de temps. Cela est toujours possible. Et rappelez-vous, je l'ai dit, je le redis au gouvernement, l'organisation des élections ne saurait relever de la raison du plus fort. S'ils donnent l'impression qu'ils veulent faire la raison du plus fort, et c'est que l'opinion qu'ils donnent, c'est que, ou bien l'image qu'ils donnent, c'est qu'ils ont peur de perdre les élections. Par conséquent, dans le respect de la loi, il est possible d'améliorer sensiblement ce que nous avons actuellement, de sorte que ces élections soient au-dessus de toute contestation. Et nous invitons le gouvernement, nous invitons le régime à aller dans ce sens, dans l'intérêt national. Professeur Oulu, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oui.